Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 23ème épisode. Aujourd'hui, au programme, une visite, un peu de travail et une grande annonce. Bien sûr, ce sera à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Alors, ici, ce n'a pas beaucoup avancé à l'intérieur. On a fait un petit peu de décoration. Les dernières fois, on avait fait un peu là, ça n'a pas avancé. Il y a que là, vraiment le lit et la zone de respawn qui est avancée. Au niveau de la ferme à bois, nous avons fait, si j'arrive à me poser, juste une espèce de une réception au bois cassé pour qu'il tombe dans cette ferme là et après ainsi de suite jusqu'à des hoppers. La ferme à fer est actuellement finie. La décoration est finie, elle est fonctionnelle, ne bug pas. Et ne glitche pas comme j'ai eu les problèmes dans certains épisodes. Nous avons fait aussi une petite place ici. Ah, j'ai un petit problème de poulet, je crois. Petit problème de poulet en dessous. Donc, ici, vous avez un escalier pour descendre. Bien évidemment, ici. Là, vous avez un autre escalier qui rejoint ici. Et là, un escalier pour remonter là. Avec des petits lampadaires, un petit peu de végétation, un beau trou. Et la ferme à poulet qui a explosé apparemment. Donc voilà. J'aime bien l'architecture. Et très me plaît beaucoup. Voilà. Autre chose, nous avons fait la décoration de la tour à mob. Qui fait excessivement laguer. Je le conçois. Et qui a un pattern très répétitif pour nos plus grands plaisirs. On va se mettre juste ici. Pour bien que vous le voyez. Voilà. Hop. Comme vous avez pu le voir, nous avons fait aussi la tour principale. Donc, avec son petit chapiteau qui fait tout le tour. En dessous, là, hop. Sa petite mâchoire qui se referme juste au-dessus. Et un petit dôme rempli de fleurs. On va se poser dessus, hop. Donc, la tour principale est officiellement terminée sur la partie qui dépasse la zone des coffres. Mais il reste toute la partie en dessous. Qui est en cours de construction. Voilà. Hop, on se laisse descendre. Et en parlant de ça, ici, nous avons fait un petit passage pour aller à la tour à mob. Nous avons fait un pot de décoration ici avec un escalier. On en voit après. Une petite fontaine. Une petite place commerçante. Et derrière, ici, il y aura une pyramide. Un peu dans ce style-là, qui reprend un peu tous les coffres en fait de la chose. Je vous la ferai voir. Je suis en train de la finir en créatif pour la recopier après. Donc il reste une grande zone à déblayer, mais elle a bien avancé déjà et je suis vraiment content de ce que ça donne. On a déjà dégagé une bonne zone là. Hop, avec l'Aidmatica, on pourra la copier-coller. Et ici, normalement, c'est tout ce qu'il faut pour encore dégager les montagnes. Parce qu'à mon avis, les montagnes vont dégager. Bon, on a réussi à décoller. Alors, du coup, ici, vous avez à peu près. Là, c'est la taille pour faire un quart. Donc, forcément, elle va venir à peu près dans ces steps-là. Il va falloir démolir cette montagne-là. Ouais, démolir cette montagne-là pour pouvoir la mettre. Donc, la place du marché. Voici. Ça va être un petit marché ici. Là, il y aura sûrement une autre fontaine. Donc là, vous avez la fontaine de l'autre côté avec le petit stand. Ici, un escalier. Ce qui est le plus normal pour pouvoir monter. Comme on avait déjà prévu, on a dégagé toute la zone en live. Et on va commencer à construire tout ça en live. Des petits beacons pour faire voir qu'on est riche. Là, le premier stand pour les prêtres, pour échanger ma chair putréfiée qui est directement sortie de là-bas. Là, ici, vous avez un petit passage. Déjà, pour remonter. Qui mène ici. Hop. Et aussi, pour pouvoir remonter de l'intérieur. On a changé d'ailleurs le pattern au sol. On n'a pas fini complètement. Il nous manquait quelques éléments de décoration, des choses comme ça.
Donc voilà. Alors, ici ça n'a pas avancé. Là-bas, tout là-bas, il y a quelque chose qui a popé. Vous vous rappelez de ce design-là? Bah sur le même monde, j'ai trouvé celle-ci. Pareil, il Mango qui a fait une pyramide avec ça. J'ai pas reproduit la pyramide, c'était beaucoup trop long. Mais j'ai reproduit sa ferme à Netherwarts, mais complète. Donc à peu près 27 stacks toutes les 20 minutes. Ouais, à peu près plus d'un inventaire toutes les 20 minutes. 20 minutes pour faire l'aller, c'est vraiment très long. Et il faut mettre une macro pour pouvoir bloquer. Là, ça a pratiquement tout poussé. Peut-être même que je reste dans la zone, mais comme ça, je pourrais en récupérer plus. Cette ferme a été construite par les abonnés. D'ailleurs, on va augmenter la distance graphique. Voilà, oh peut-être 26, c'est peut-être un petit peu beaucoup. D'ailleurs, ils ont bien coupé, bien net ici. Hein. Ils sont pas fichés. Tout le dessous a été torché normalement, et c'est. C'est ce que je peux monter. Merci. Hop. Donc, oui, tout le dessous a été torché, donc il n'y a pas de spawn dessous comme. Ça fait de la torche. Hein. Ouais, je vais pas pouvoir sortir plus facilement de là-dessous. À quoi que là-bas il y a un zombie. Ah, c'est un zombie avec une poudre. Ça, quand ils ont dû l'installer, ils ont dû faire faire tomber une poudre. Ah, ça me mange de la bouffe, c'est une horreur. Mangeons un petit peu. Hop, et c'est reparti. Le Nether n'a pas avancé. Maintenant, on va dire les abonnés n'avancent pas forcément non plus excessivement. Vraiment, je me suis concentré sur ça. Et maintenant, je vais vous faire voir la pyramide qui va arriver ici. Et voici, bah, déjà mon monde de test, là où je fais les patterns et les choses comme ça. Donc là, vous avez le pattern pour la ferme à mob. Ici, c'est la ferme à Blaze. Là, c'est le bas et le haut de la tour. Et là, le dôme. Et ici, voici la pyramide. Elle n'est pas tout à fait finie. Il y a encore beaucoup de petits détails à régler par-ci par-là. Mais cela avance même très vite. Et après cette vidéo, je vais lancer un live pour finir cette pyramide dans les plus brefs délais. Mais déjà, ça rend pas mal. Et on va passer à la partie annonce. Et je vous annonce que cette pyramide, quand elle sera finie, je vais la poster sur le Super Sama World pour faire une queue de la terre en tant que builder. C'est pas forcément pour faire que du building tout le long, mais ça permettrait de faire connaître un peu la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, allez suivre ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, mon Facebook, mon Insta, ce que vous voulez, tous au même nom. C'est plus simple. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.